King Live, magazine proche du Kinoa. King Live, la vie à King. Sens parce que quand on sait comment nous mettons dans la lignée de la vision du président de la République, votre appui, madame la ministre provinciale, nous sommes heureux de vous province de Kinshasa. La ville province de Kinshasa, lui seul, l'avait. Ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, Excellence est en train de s'amender entre les garçons. Mais maintenant, quand on va sur le plan réussite, candidat, garçon candidat, on a eu 34 100 de filles ont réussi contre 58% des filles. Les cités, nous avons pour Kin Est, que c'est l'excellence que se voit, 84%. Nous avons un biologue, Mokamboula Mbo Kwata, qui est personnel de groupe. Ça, c'est en ce qui concerne Kin Mongo Manix, 19 ans. L'Institut Mokamba, nous avons Mademoiselle Epembo Lofoudia, des techniques messagères, conventionnelles protestantes, qui a eu 65,24%. Nous avons M. Mouté Balungu, toujours. Et nous avons M. Mouta, qui a eu 84%. En coupe et couture, 69%. Et en agriculture. Vous pouvez vous présenter, oui. Oui, quelle école? Kitomessa. Au nom de tous les élèves de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'EPSP et particulièrement le Président de la République démocratique du Congo, ont contribué en beaucoup pour la formation intégrale des élèves. Et nous ne pouvons que le remercier pour ça. Chaque année, nous progressons et nous faisons un pas pour
la bonne formation de tous les élèves. Et nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire parce que là, je suis vraiment émotionnée. Je ne peux que vous remercier pour ça. C'est bon, merci beaucoup. Comme vient de dire ma condisciple, nous ne pouvons que vous remercier à vous tous qui avez participé, contribué vraiment à notre formation. On n'a qu'à vous remercier parce qu'au niveau où nous sommes, c'est vraiment quelque chose d'important pour notre pays. C'est significatif parce qu'on dit toujours que l'éducation, c'est l'arme qui est importante pour une jeunesse. Et on dit aussi éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Au nom de toutes les filles qui sont ici, moi je vous dis déjà merci d'avoir contribué à notre éducation. Mais fondamentalement, mesdames et messieurs les parents, les enfants se disent parce que l'éducation. Tant au niveau individuel, au niveau familial. Et si nous sommes tous ce que nous sommes, c'est parce que nous avons Patrick Lekono et son président pour ses choix. Mambale qui a eu aussi 83%. Est-ce que vous pouvez rester debout comme ça, son excellence peut vos émotions pour que vous ne puissiez pas en mourir. C'est un plaisir de vous recevoir. En faisant un président. C'est qui va là. Le Premier ministre. Mesdames les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, voilà, je vais donner la parole qui ont réussi. Tandis que pour Lionel, 19 ans, toujours de l'Institut ITAV, le dernier de l'école conventionnée qui m'a dit qu'il a eu 54%. Vous vous félicitez parce que vous avez fait une preuve d'exception. Vous, on peut vous appeler sans séjourner excellence. Nous avons accédé peut-être politiquement à cette fonction, mais vous êtes des excellences parce que vous avez fait la différence. Ça, c'est le premier point, c'est vous féliciter pour avoir mérité ces mots d'excellence. Et je dois vous avouer que c'est à tout votre honneur parce que vous siégez dans la salle du conseil de l'Église. Peut-être que ceci peut vous donner la bénédiction de siéger par la suite officiellement dans cette salle. Deuxièmement, monsieur le ministre, c'est peut-être féliciter les demoiselles parce que vous-même vous êtes mise à minorité alors vous êtes avec deux ministres à votre droite. Vous êtes seul. Les collègues qui, au fond, là, il est aussi ministre. Non, c'est l'inspecteur général. C'est l'inspecteur général. C'est le chef d'orchestre. Voilà, le chef d'orchestre. Ouais. Mais le président de l'orchestre, c'est vous. Lui, il est le chef d'orchestre. Voilà, donc, féliciter les demoiselles pour cette montée en puissance qui est en train de se faire. Comme le ministre l'a dit, vous savez que nous avons un président qui aime beaucoup la jeunesse, qui s'attache beaucoup à l'éducation et qui nous a demandé de mettre l'éducation au centre du progrès de notre pays. Et comme vous l'avez remarqué plusieurs fois, la communauté internationale reconnaît les efforts qui sont accomplis par la République démocratique du Congo sous le leadership président de la République, président Kabila, dans ce domaine de l'éducation. L'éducation
c'est le fer des lances de chaque pays, de chaque école. Si vous avez des savants, si vous avez des professeurs, si vous avez des médecins, si vous avez des présidents, des premiers ministres, des ministres, c'est parce qu'ils sont passés par l'éducation, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas s'il y aura un ministre de l'éducation qui n'aura pas étudié. C'est difficile de le croire, n'est-ce pas? Donc l'éducation, qu'on ne se trompe pas, c'est même la fondation du progrès individuel. Si vous voulez progresser, il faut étudier. Et j'ai dit souvent aux enfants qui viennent visiter le jardin de premier, ce qui est le bâtiment de la primature, j'ai dit, il faut étudier si vous voulez connaître le secret de la réussite dans la vie. Alors, pour les filles, qu'on ne vous trompe pas que le secret, ça se trouve dans les mariages. Non. Le secret, ça se trouve dans les études. Parce que, en étant diplômé, on peut se marier, n'est-ce pas? Mais si on n'a pas étudié, on peut avoir une difficulté pour se marier. Donc, les études, c'est la formation. Maintenant que nous avons un président qui est très favorable à la formation et l'éducation, maintenant que nous avons un président qui est favorable à la promotion des filles et des femmes, non seulement dans l'éducation, mais dans les institutions de la République, mesdemoiselles, il faut en profiter, n'est-ce pas? Il faut en profiter, et alors au maximum. Si moi j'étais à votre place, j'en profiterais au maximum. Troisième élément, ce sont les études universitaires qui vous attendent. Là encore, c'est le début. Vous avez terminé les études primaires, maintenant vous terminez les études secondaires. Il y a cette aventure universitaire qui est le sommet de l'éducation, où vous allez retrouver des professeurs savants qui veulent parfois vous montrer que vous ne connaissez rien du tout. Mais je crois, avec la base que vous avez acquise, vous allez certainement vaincre. Embrassez donc les études universitaires avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, parce que la République démocratique du Congo a effectivement besoin des hommes et des femmes qui ont vaincu toutes les étapes des études, de l'école primaire jusqu'à l'université. Faites des doctorats parce que vous êtes encore jeune. J'ai entendu beaucoup des âges qui font la fierté 17 ans, 18 ans, 19 ans. Mais ça, ce sont nous qui avons 50 ans. Ça fait plaisir de voir la jeunesse, l'éclosion de la jeunesse. Il faut continuer. Comme ça, vous pouvez terminer les études à 24 ans, à 5 ans, avoir votre doctorat à moins de 30 ans et vous prévaloir sur le plan professionnel. Mesdames et messieurs les parents, nous pouvons aussi vous féliciter. Nous savons que vous êtes des héros dans l'ombre. Sans vous, les amis qui sont avec nous ici n'auront pas franchi les caps des examens d'État. Nous savons qu'il y a, et vous le savez aussi, qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont bien voulu aller à l'école, mais qui n'ont pas des parents qui peuvent les soutenir dans ces processus-là. Nous travaillons énormément avec le ministère de l'Éducation ici présent, sous l'impulsion du chef de l'État, pour davantage amener les enfants à l'école. Donc nous ne pouvons que vous féliciter pour tout ce que vous avez fait, pour que ce qui représente la RDC de demain puisse avoir leur passeport afin d'aller affronter les études universitaires. Pour le reste, je vous souhaite bon vent. Pour ceux qui aiment
la cravate comme notre ami. Nous lui souhaitons bon vent. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Oui, monsieur le ministre, devant. Examen d'État, édition 2013-2014. Vous avez un message à adresser. Oui, d'abord, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la Ville, remercier du fond du cœur son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, qui a bien voulu recevoir les lauréats de Kinshasa au nom des lauréats de la République. Je voudrais en même temps féliciter tous ces jeunes gens qui ont fait la distinction, qui se sont distingués par rapport aux autres, et féliciter aussi tous ceux qui ont réussi, qui ont passé leurs épreuves et qui ont réussi, et nous devons encourager ceux qui, cette fois-ci, n'ont pas réussi. Ils peuvent se reprendre et ils ont encore la chance de pouvoir aller de l'avant. Bien entendu, nous n'oublions pas les parents pour les sacrifices et tout le corps enseignant. Mais je voudrais, j'ai eu un message particulier, spécial de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est celui de rappeler aux lauréats, à tous les lauréats, aux parents, aux gestionnaires, qu'il est interdit d'aller avoir un comportement excessif sur la voie publique. On a eu des cas d'accidents les années précédentes, particulièrement l'année dernière. Cette année, nous voulons bien qu'il y ait l'expression de la joie, mais cette expression de joie doit pouvoir se faire de manière ordonnée. Les services de l'ordre ont reçu des instructions fermes et ils seront déterminés à remettre de l'ordre. Pas d'enfants sur les véhicules prenant de l'alcool, pas d'obstruction de la voie publique, pas devenir un danger pour soi-même et pour les autres. Voilà donc ce message, mais nous voudrions que la joie reste la joie, que les pleurs n'accompagnent pas la joie. Merci beaucoup. Un mot. En tout ce que madame vient de dire, je vais seulement remercier le Premier ministre de nous avoir accueillis. Son accueil a été vraiment très chaleureux pour nous. Et tout ce que nous avons vécu ici, avec tant de conseils qu'il nous a donnés, on ne fait que les remercier. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.